Espadol et Tornadora, de la vie. Nous sommes à l'île de la Réunion. À 700 km à l'est de Madagascar, la Réunion se trouve au cœur de l'océan Indien. L'île est née il y a 2 millions d'années, lorsqu'un volcan émergea de l'océan. Aujourd'hui éteint, le Piton des Neiges domine toujours l'île, culminant à 3071 mètres. Il y a 500 000 ans, un deuxième volcan surgit à nouveau. Avec ses 2631 mètres de haut, le Piton de la Fournaise, fréquemment en éruption, continue aujourd'hui à agrandir l'île, qui représente 2500 km². Son histoire maritime est l'histoire de l'île de la Réunion depuis sa naissance. Appelée Dinamargabine sur une carte arabe datant de 1153, l'île fut proclamée française par le gouverneur de Madagascar, Jacques de Prony, en 1642 sous le nom de Île Mascarin. La Réunion a accueilli de nombreux pirates, dont le célèbre Labuse qui aurait caché son trésor quelque part sur l'île. Elle a connu des batailles, notamment contre les Anglais qui occupèrent l'île entre 1810 et 1815. Aujourd'hui, avec ses quelque 775 000 habitants, l'île de la Réunion, devenue département français en 1946, est plus tranquille. Une de ses principales activités économiques est la pêche. Le Cap Sud est un navire de 16 mètres armé pour la pêche au large. Il fait partie d'une trentaine de navires de la flottille réunionnaise pratiquant la pêche à la palangre horizontale dérivante, connue sous l'appellation anglaise de longline. Le poisson le plus recherché est le Xiphias gladius, c'est-à-dire l'espadon. Les premiers essais de pêche à la palangre pour la capture de grands poissons pélagiques ont commencé à La Réunion au tout début des années 90. Pendant la mauvaise saison, on voit se promener sur le quai des patrons. L'hiver, pendant la mauvaise saison, on voit se promener sur le quai des patrons. Ils nous demandent, veux-tu que je t'engage pour ton travail? Tu auras de bons gages et tu gagnes.
gagnera beaucoup de pognon si nous avons la chance de pêcher du poisson. Et tu gagneras beaucoup de pognon si nous avons la chance de pêcher du poisson. Le jour du départ arrivé, on voit les matelots arriver sur le quai. Le jour du départ arrivé, on voit les matelots arriver sur le quai. Les adieux, il faut les faire bien vite, car le capitaine y dit, je fais l'appel de suite, vous répondrez à votre nom. Allons dépêchons, embarquez les garçons. Vous répondrez à votre nom, allons dépêchons, embarquez les garçons. Arrivé au milieu des jetées, le capitaine nous dit, il va falloir saluer. Arrivé au milieu des jetées, le capitaine nous dit, il va falloir saluer. Il nous envoie le drapeau tricolore et partout à fois. La zone de pêche est encore loin. L'équipage prépare les hameçons, les bas de ligne et les leaders qui remplaceront ceux qui sont cassés, abîmés ou coupés une fois le poisson monté à bord. Les bouées, donc c'est ce qui va dessiner la ligne sous l'eau. Donc c'est un petit carton que je vais donner à la personne qui fait les bouées derrière, et comme ça il va suivre le schéma, donc, et c'est ça qui va ressembler, c'est ça qui va donner la forme de la ligne sous l'eau, et donc les hameçons, tout ça à différentes hauteurs qui logiquement, si tout va bien, ça attrape du poisson. Arrivé sur le lieu du filage, on prépare une balise que l'on appelle une gonio. Celle-ci sera attachée à la première extrémité de la ligne mère. La gonio émet un signal radio. Capté à bord sur le goniomètre, ce signal permettra de localiser la palangre dérivante pour le virage du lendemain. On mettra au total 4 gonios à l'eau, une à chaque extrémité de la palangre et les deux autres après le premier et le deuxième tiers.